Yo les potos, c'est Pilou, bienvenue sur Pixel TVs. Aujourd'hui je vous lâche la rediffusion du live de mercredi soir à 3h du matin, je suis désolé pour les horaires. En fait je fais des petits lives sauvages comme ça de temps en temps. Et si vous voulez assister à ces lives, n'hésitez pas à follow la chaîne Twitch. Je vous mets un petit lien dans la description juste en bas là. Et activez la petite cloche comme ça, dès que je fais un petit live vous avez la notification et vous pouvez participer avec moi. Donc c'est super cool les lives, il y a toujours des petites surprises en plus quand vous venez me voir en live. Donc je vous laisse là avec la vidéo, avec la rediffusion. Et je vous souhaite un bon visionnage et à bientôt. Donc on va commencer à ouvrir le petit coffret qui est là, qui est juste magnifique. Donc coffret Pokémon avec les boucliers Sword and Shield avec le Chiforce bleu. Donc du coup, la petite boîte qu'on vient d'ouvrir, super belle, hop, avec ce qui nous intéresse le plus, donc les 8 boosters épée bouclier style de combat. Donc ça on va se les ouvrir juste après là, et pour le moment on va découvrir l'intérieur de la boîte. Donc dans cette petite boîte nous avons le petit guide des règles du jeu, donc ça c'est connu, dans toutes les boîtes il y a ça. En fait tout ce qu'il y a dans cette boîte, il y a exactement la même chose dans toutes les autres boîtes ETB. Donc ça ce sont les séparateurs de cartes, donc quand vous rangez vos cartes là-dedans vous pouvez mettre des petits séparateurs pour mieux les ranger quoi, c'est super cool. Même si celle-là est déjà un petit peu abîmée, je sais pas si vous voyez là, c'est un petit peu abîmé, c'est chiant ça. On a les jetons altération de statut. Donc du coup quand t'es empoisonné ou que t'es brûlé, tu mets ça sur ta carte Pokémon pour bien signaler que t'as un petit souci quoi. On a les dés marqueurs de dégâts, donc ces petits dés vous les connaissez déjà, il y en a dans toutes les boîtes, c'est juste que la couleur change. Et d'ailleurs la couleur en bleu comme ça c'est juste magnifique, j'adore. On a des sleeves, alors là les sleeves ça c'est le truc le plus important pour moi parce que c'est ce qui nous permet de protéger nos super belles cartes. Et il faut toujours protéger ces cartes quoi. Et là le petit paquet de cartes énergie, alors je vais pas l'ouvrir, vous connaissez déjà, il y a à peu près 4 énergies de chaque type dedans. Et le petit code pour ceux qui jouent au JCC Pokémon sur internet. Du coup voilà le petit code pour vous avec le Chiforce 1000.gigamax, trop trop cool. Dans les autres TB que j'avais eu malheureusement, enfin heureusement, j'avais eu des petites cartes promo, donc pas de bol dans celle-là, il n'y a pas de carte promo. J'aurais voulu avoir la carte promo Chiforce et elle n'y est pas. C'est dommage. Mais c'est pas grave les amis, même si on n'a pas la carte promo, on a peut-être les chances d'avoir des super bonnes cartes ce soir. Et c'est ce qu'on va essayer de voir tout de suite. Donc avec ces 8 boosters style de combat, je vais faire un petit zoom et on va pouvoir y aller tranquille. On va pas perdre plus de temps que ça, on va ouvrir le premier booster les amis. Donc premier booster avec le Chiforce super super bad. Je vais peut-être zoomer un petit peu plus, voilà. Et ok. Hop. Alors du coup ça c'est pour vous les amis, pour avoir les cartes gratuites sur le jeu JCC Online. 1, 2, 3, 4. Mettre par là. Du coup le premier booster sur les 8 que j'avais dans le TB, c'est parti. On va commencer avec une énergie feu. Énergie feu ça porte bonheur, et c'était pas une énergie feu, c'est une énergie de ténèbres. Ok, Pérégrin, Scorvol, Aldo, Écrapince, Lépidonil, Osselet, Cornèbre, Gruikui, et derrière Gruikui nous avons notre première alternative. Ah, c'est un Élécable en reverse holographique, super. J'aime bien, je l'avais pas encore. Et derrière, un petit Ampliflore en rare. Ok. Alors bien entendu les amis, donc, dès qu'on a une carte qui brille, on la protège instantanément. Et pour ça, j'ai acheté mes petites sleeves transparentes qui sont juste ici. Et voilà, la carte est protégée. Et en fait, il est super beau cet Élécable. Hein. Vraiment, vraiment stylé. Je vais le laisser par là, hop, et on va passer au deuxième booster les amis. On va essayer d'avoir un petit peu plus de chance dans le deuxième booster, si possible. Cela, on n'a pas eu de carte rare, et ça c'est dommage. Donc hop. Un nouveau booster, ça, c'est pour vous les potos. Cadeau. 2, 3, 4. Et deuxième booster, on va partir sur une énergie plante. Hop, et c'était une énergie feu, malheureusement. Ok. Recycleur d'énergie, Ouvrifière, Cacturne, Cerebou,
Kung Fuin, Dunaja, Galarian Mistamime, Chetiflore, et derrière Chetiflore, notre premier reverse. Ok, c'est un Dryul. Waouh, c'est quoi ce Pokémon? Je le connais pas. C'est la première fois que je vois ce Pokémon. Il est pas très joli, wesh. Et derrière Dryul, nous avons... Oh, un Mogoyad. Ok, c'est pas ouf du tout pour le moment, les amis. Pour le moment, on n'a rien eu à part deux reverse holographiques et c'est pas ouf du tout, quoi. C'est vraiment pas ouf. Mais on va essayer de se rattraper avec les prochaines. Bien entendu, elle mérite sa petite protection pour aller avec ce petit télécable. Hop. Et du coup, le Pangoléon ici. Est-ce que tu as une bonne carte, Pangoléon? Oui, bien sûr, Pilou. Ok, donc il y a forcément une bonne carte dans ce booster parce que le Pokémon a répondu. Hop, hop, hop. Désolé, je spoil toujours la première carte, mais c'est parce que... J'ai pas de raison à ça, mais c'est pas grave. Hop, ça c'est pour vous. Cadeau. Et du coup, 1, 2, 3, 4. On va passer... Alors comment on fait? Faut que je trouve une façon de tourner tranquille. Ok, énergie feu. Merde. Ah, je me suis perdu, excusez-moi, là j'étais en train de penser à autre chose. En fait, j'essaye de trouver une façon simple de retourner ces cartes comme ça et de vous montrer la carte, donc il faudrait que je fasse comme ça, en fait. Hop, hop, et que je fasse... Oui. Ok, on va essayer de faire comme ça la prochaine. Donc, énergie feu, Cacturne qu'on a déjà eu, niveau ball, ça c'est intéressant, j'aime bien. Énergie point final, c'est intéressant. Spunk, Archéomir, Grikui, Pachirizu, Kung Fuin, et derrière Kung Fuin, premier reverse, Gros Tichon, ok. Et derrière Gros Tichon, on va avoir... Oh, c'est une rare normale. Ok, c'est Monsieur Claquette de Galar. Pas ouf, pas ouf. Bon, pour le moment, on n'a pas de chance, les amis. On n'a pas de chance. Mais est-ce que, justement, ce ne serait pas les trois boosters où il n'y a rien du tout, et que dans les prochains, eh ben, on aurait full, bah, plein de full art, quoi, et ça serait vraiment trop cool. Donc le Gros Tichon, il va aller avec ses petits frères reverse. Et on va partir directement sur le quatrième booster, les potos. Quatrième booster, on a encore une chance d'avoir une gold, une chance d'avoir une full art et même une rainbow. Et si on pouvait avoir une rainbow full art gold, ça serait juste magnifique. Je sais pas si ça existe. Du coup, les potos, ça c'est pour vous. Hop, pour ceux qui jouent au jeu. 1, 2, 3, 4. Et on avait dit comment? On avait dit je fais comme ça. Non. Ouais, attends. On avait dit je fais comme ça et du coup ce sera une énergie. Oh! Oh, c'était une énergie combat ratée. Mais ça marche la façon. Niveau ball, un pérégrin, Scorvol, Chetiflore, Onyx, Piafabec, un Gripat, et derrière Gripat, Lixi, derrière le Lixi, Reverse, qu'est-ce que ça peut être? Alors sachant qu'il n'y a pas du tout de shiny, du coup c'est forcément une reverse ou une carte super rare, je crois, je sais pas. C'est un. Oh, Dunaconda! Et du coup, derrière Dunaconda, on aura... Ouh, encore un Ampiflore, c'est pas la première fois que je le vois, lui. Aïe, 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 pas de bol, les amis, pas de bol. Pour le moment, on a eu que 4 holo reverse, quoi. C'est pas ouf du tout. Je pense que c'est les pires ratios que j'ai eu en ouverture depuis le début de la chaîne. Mais on garde espoir, c'est pas grave. Et, un cinquième booster, hein. Cinquième booster, et on a toujours rien eu, donc la chance est forcément... Enfin... La chance, la carte est forcément dans un de ces boosters. J'en suis sûr, les amis. Du coup, ce petit code, c'est pour vous. Moi, je vais faire énergie plante et oh, pardon. 1, 2, 3, 4. Je suis allé trop vite en fait. Du coup, énergie plante et c'est une énergie eau, ciratée. Concentration de Cornelia, Chaffreux. Corbos, un Ferrosinge, Ramolos de Galar, Mimantis, je connais pas ce Pokémon, Remoraid, je connais, Osslet, et derrière Osslet, premier reverse, un Piafabec, ok, en reverse, normal, et derrière Piafabec, oh, oh, le Chifourse, on a eu le Chifourse, oh putain, ça c'est trop cool, donc on a eu le Chifourse en Half Art, super belle carte, c'est trop cool. C'était une de mes cartes target justement, donc je suis content de l'avoir chopé ce soir. Je vais tout de suite le mettre sous sa sleeve, les amis. Oh là là, bon, du coup, c'est la première grosse carte qu'on chope ce soir. Alors, c'est un Chifourse, ok, mais c'est pas une gold card ni une rainbow. Mais je suis content de l'avoir eu parce que justement, dans mon deck, j'en aurais besoin. Et si je peux
l'ajouter à cette carte, vu qu'ils utilisent toutes les, tous les deux des énergies combat, ça peut être super cool. Donc lui, je vais le placer là. Je vais sleeve le piaf avec. Ok, on a eu un Chiffourse quand même, c'est trop cool. Je suis content, mais j'aimerais quand même avoir une gold card ce soir, les amis. Ça serait trop cool si on pouvait avoir la gold card. On va prier le jeu Pokémon pour ça. Et on va y aller tranquillou. Hop, on est du coup sur le... oh, c'est déjà le 6ème booster, les photos. 6ème booster, et on a eu 5... Attends. Ouais, c'est ça. On a eu 5 reverse holo et une half art. Donc, normalement, on devrait encore avoir une grosse carte. Inch'Allah. Ça, c'est pour vous, les potos. Hop. 1, 2, 3, 4. Et on va dire énergie plante. Ok, c'est une énergie acier, pas de bol. Oh, Morpeko fâché. Un fermite. Moustarde style point final. Ok, c'est quoi ça? Moustarde style point final. Quelle est donc cette carte? Ok. Ok, d'accord, super. Le petit cornèbre. Hippotrempe. Seribou. Excellent. Derrière Excellent la reverse. Ah non. Du coup, derrière Electek la reverse. Et c'est un écrapince. Petit écrapin sympa, et derrière l'écrapince, ok, c'est une carte. Oh, un Entei en holographique. Oh, stylé. Ah, il est super beau, lui. Attendez, regardez bien. Ouais, il est super beau, en vrai. Trop, trop cool. Du coup, l'écrapince, c'est pas ouf, mais le Entei, ça rattrape un petit peu. Je suis content. Yes. Je vais sleeve les deux cartes, bien entendu, parce que ce sont des cartes qui brillent, et quand ça brille, nous, on aime beaucoup. Ok, il reste quand même deux boosters, les amis. Deux boosters. Est-ce que dans ces deux boosters, vous pensez que je vais pouvoir, du coup, choper ce petit, cette petite carte ultra rare gold rainbow? Je sais pas, en fait. Je sais vraiment pas. Parce que pour le moment, c'est mal parti. J'espère vraiment que les dieux des Pokémon sont avec nous pour ces deux derniers boosters. Et au pire, on a toujours le booster de Final Fantasy à ouvrir à la fin du stream. Et qui sait, on va peut-être avoir la méga carte Final Fantasy que je ne connais pas bien entendu, parce que ce sera le premier booster que j'ai ouvert de toute ma vie. Et du coup, c'est parti pour le 7ème booster Pokémon. J'espère que dans ce booster là, on va avoir les cartes que l'on recherche. Donc, déjà, ce petit code, c'est pour vous. 1, 2, 3, 4. On va mettre ça comme ça ici. Et alors attendez, hop, et on va dire énergie feu. Oh non, c'est encore une énergie acier. Oh, Frison. Ok, je connais pas ce Pokémon. Colomar. Un gros ray. Mistibule, c'est ça. Un Mimantis. Remoraid. Piafabec. Derrière le Piafabec, nous avons la première reverse. Ah non, c'était un Pachirisu. Et un Montracite. Ok. Le reste, un Pokémon que je connais pas. Qu'est-ce qu'on peut bien avoir derrière ce Montracite? Ah, c'est tout jaune, c'est un... Oh, un petit coup de langue. Ok, ok, pas de bol. Vraiment, vraiment pas de bol aujourd'hui, hein, les potos. C'était pas la meilleure ouverture. J'espère que dans le coffret bleu, il y aura plus de... plus de bonnes cartes. Mais il nous reste encore un booster, et c'est peut-être dans celui-là qu'on va avoir la gold card. Donc on perd pas espoir, et on continue, les amis, on continue. Hop. Hop, hop, hop. Donc, on se spoile pas, du moins on essaye de pas se spoiler. Ça, c'est pour vous, ceux qui regardent et qui jouent au JCC. 1, 2, 3, 4. Et du coup, c'est parti pour le dernier booster, les amis. On va commencer avec une énergie feu. Oh, c'est une énergie psy ratée. Hypocéan, Boostiflore, Multi-Exp, Scalpion, Molos, Lixi, Scorplan, et derrière le Scorplan, nous avons premier reverse. Oh non, du coup, derrière le Spoink, nous avons la reverse qui est Luxio. Ok, le petit Luxio en reverse, c'est sympa. Et derrière le Luxio, oh, c'est pas une gold, c'est dommage. Les amis, on n'aura pas de gold aujourd'hui, c'est vraiment pas de bol. Mais on va peut-être avoir une petite holographique. Et c'est encore le Entei, incroyable, les amis, incroyable. On a eu deux fois Entei. Oh là là, je suis un petit peu déçu par cette boîte, hein, je vais pas vous mentir. Bon, c'est pas la pire... Ouais, pour le moment, c'est la pire boîte que j'ai ouverte, je crois. Et ouais, pas de bol, pas de bol. Mais on aura quand même eu quelques petites cartes intéressantes. Du coup,
Et vu que je suis censé faire le Master 7 de la... Comment ça s'appelle ? De la Display Style de Combat, ces cartes sont intéressantes pour moi parce que je vais pouvoir les rajouter dans mon petit classeur. Mais je m'attendais à avoir des plus belles cartes ce soir quand même. Je suis vraiment déçu. Je l'ai un petit peu à merde là. Pokémon Company s'est un petit peu foutu de ma gueule ce soir. Donc on va faire un petit récap vite fait de ce qu'on a là-dessus, enfin de ce qu'on a eu ce soir. On a eu du coup le Shifuors 1000 points qui lui est le meilleur pool de la soirée. Elle est super belle cette carte hein. Et elle est super intéressante. On a le Entei, donc Entei on l'a en double, voilà. On a un double Entei. Peut-être que je vais faire un petit deck avec ça, je sais pas vraiment si je peux faire un petit deck avec ça, il faut voir. Vous pouvez attacher une carte énergie feu de votre main à ce Pokémon, ok. Le Pokémon actif de... Ok, d'accord, donc il brûle et puis tu peux t'attacher des énergies feu assez facilement. On a eu un... En reverse, du coup, on a eu les... Un Montracite. Ok, c'est un Pokémon montagne. Je ne connais pas vraiment bien. On a eu un petit Luxio, ça c'est cool. Un Écrapince, un Piafabec. Un Dunaconda, donc lui c'est un très très bon Pokémon, mais j'en ai malheureusement qu'un seul pour monter le deck. On a un gros Tichon, ok. Et on a un Drayeul. Ainsi qu'un Télécable, j'avais oublié le petit Télécable. Ok, du coup on a eu quand même pas mal de reverse, c'est assez sympa. Je vais les rentrer dans mon classeur juste après. Bon ben les amis, j'espère que ce petit live vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit message. Et pour les gens qui me regardent sur YouTube, laissez un petit commentaire aussi avec... Avec un petit like et un petit abonnement, ça fait toujours plaisir en fait. Et je vous souhaite une bonne fin de soirée. Et puis à bientôt pour de nouveaux lives. Bye bye.